vous allez bien? Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un ask, ça faisait 1000 ans que j'en avais pas fait. Du coup je vous avais mis un petit truc sur Twitter en vous demandant si vous aviez des questions. Certains d'entre vous m'en ont posé, donc c'est super, merci beaucoup. Et puis j'en ai pris d'autres sur Tumblr parce que j'en ai des milliards et je ne peux pas répondre à tout le monde, donc j'ai pris les questions les plus posées et j'y réponds dans cette vidéo. Tu vis avec tes parents ou tu as un appart, ta chambre est trop belle? Je vis avec ma maman. Et voilà, tout se passe très bien, ça va tout très bien. Voilà, j'ai ma chambre, comme vous pouvez voir. Je vous ferai un room tour. Cependant, je dois ranger tout le petit cafouche qu'il y a là-bas. J'ai acheté une nouvelle commode. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais je vous la montrerai. Elle est trop jolie. Donc je vous ferai un room tour, ne vous inquiétez pas. Mais quand j'aurai rangé, donc pas tout de suite, tout de suite. Style tonique, tu m'aimes? Vas-tu finalement teindre tes cheveux en brun? Bisous. Je sais pas, parce que je sais pas si ça m'irait très très bien pour l'hiver, je trouve ça trop trop beau. Mais c'est ma couleur naturelle, oui oui, tout le monde me demande si j'ai un truc à mes cheveux, je n'ai jamais rien fait. Style couleur, balayage, j'ai jamais rien fait. Donc ça c'est mes cheveux naturels, et en fait ils éclaircissent juste quand je suis au soleil. Et je pense que si je me teins en brune ou que je me fonce un petit peu les cheveux, j'ai peur que ma couleur naturelle ne puisse plus jamais de la vie revenir. Enfin, je sais. Parce que j'ai jamais rien fait, du coup j'ai un peu peur, je stresse, tu vois. Du coup je sais pas. Du coup dites-moi si ça m'irait bien. J'aimerais trop, ça changerait quoi. Si tu pouvais avoir la garde-robe de la célébrité que tu veux, ce serait laquelle? Ça serait... J'en aurais trop en fait. Je fais un mix. Il y a Kylie Jenner, obligée, parce que... Bon, ils ont des stylistes et tout, donc je ne m'inquiète pas pour leur style vestimentaire. Mais franchement, Kylie Jenner, Kendall, au top aussi. Et leur copine là, Gigi Hadid. En plus, elle est magnifique. Quand est-ce qu'on se voit? Donc elle, je sais pas si vous la connaissez, c'est Noémie du blog L'Effet Noémie, elle est marseillaise. Donc quand est-ce qu'on se voit? C'est quand tu veux vraiment. On pourrait aller boire un coup en ville ou même aller au terrasse du port. J'avais pensé à un truc, c'était qu'on pouvait faire une vidéo ensemble. Genre on fait les tenues ensemble et on le met chacun, toi sur ton blog et moi sur ma chaîne, et ça pourrait faire cool. Donc je sais pas, dis-moi si ça te plaît. Donc allez voir son blog, il est vraiment trop 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 bien. Tes solutions pour se remonter le moral? Donc moi quand ça va pas, ou même quand ça va, hein, je vais au resto avec mes amis et là je rigole. Je rigole mais on se prend des fous rires. Non vraiment, vraiment c'est bien. Vraiment c'est très très bien. Je pense qu'il faut que tu fasses ça. Tu te prépares, tu te maquilles, tu te fais magnifique, genre trop trop belle, les yeux de chat, la bouche magnifique. Les cheveux au top et tu files au resto. Une autre solution, tu peux également aller courir, ça défoule, ça fait du bien. J'y suis allée ce matin d'ailleurs, c'était pas mal, j'étais pas énervée, mais ça faisait longtemps que je n'avais plus couru. Du coup, j'étais un petit peu obligée. Donc voilà, aller courir, c'est pas mal. Aller manger avec ses copines, même tu peux aller faire un pique-nique, hein, c'est pareil, juste voir ses copines, ça fait du bien. Ton plus grand rêve, tu es magnifique, continue comme ça. So mon plus grand rêve, ce serait, je pense, d'habiter en Australie. Mais c'est tellement beau. En fait, j'étais allée avec l'école. Oui, j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs. Avec mon lycée, on était parti en seconde dans un voyage scolaire. Donc, on avait eu un échange, c'était à Perth. Et du coup, on avait eu des Australiens qui étaient venus chez nous. Et nous, on était allés dans leur famille. En fait, c'est un petit peu comme aux États-Unis, mais plus tropical. Enfin, c'est pas du tout le même climat, c'est immense. En fait, le continent, il est tellement grand que toutes les routes, elles sont immenses, c'est hyper éloigné. Les maisons, elles sont immenses, mais il y a tout qui est trop, trop, trop beau. Et je sais pas si vous avez vu des photos de Bondi Beach ou Bondi Beach, je sais pas du tout comment ça se prononce, Bondi, je crois. Mais c'est juste... c'est fou, quoi. C'est fou, c'est tellement beau. En plus, les filles, elles sont trop belles. Les gars, ils sont trop beaux, il y a que des surfeurs. Quelle est ta chanson du moment? Je
first, let me hop out the motherfucking Porsche. I don't want it if that ass don't sit like a horse. I be ballin' on these niggas, got me feelin' like sports. Dash got so much wood, I could build me a fort. Ain't too many things I ain't done yet. I'm the king of this shit, crowned by the toilet. Est-ce que tu comptes continuer les vidéos en anglais? Donc oui, je trouve que c'est assez intéressant et puis ça permet de partager plus et de satisfaire plus de personnes puisque j'ai des abonnés, je ne savais pas, qui viennent de LA, de New York City, d'Allemagne, d'Italie, enfin bref, de n'importe où, de Thaïlande même, genre, un truc de ouf. Et donc, ben voilà, je trouve que c'est assez sympa de faire plaisir à tout le monde et puis vous, ça vous fait apprendre aussi quelques petites choses. Et puis voilà, je trouve que c'est sympa. Tu mesures combien? Alors ça, on me demande genre H24. Je mesure 1m62, soit 62 à peu près, dans les 60-65. Et je pèse aussi, parce qu'on me demande à chaque fois aussi, 50, enfin je varie entre 50 et 51. Ça dépend du nombre de pizzas que je mange. You're so pretty, how did you learn to do your makeup that good? Please, more of these makeup tutorials on English, we love them. Oh, thank you! I learned it by myself. And yeah, just like all alone and I did it. You know, I started like at 15 and I tried and I tried and I watched thousands and thousands of YouTube videos. So yeah, it's just practice and learn, and the more important things is to have the good brushes, because if you don't have the good brushes, then you're dead. C'est l'heure du concours. Donc pour vous remercier d'être plus de 31 000 maintenant sur ma chaîne, en fait je voulais faire un concours pour les 30 000, mais bon, comme vous avez été plus rapide que moi, je le fais désormais, maintenant, tout de suite avec vous. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on a gagné pour ce concours? Je vous avais mis un snap quand j'étais au Costa Rica, ça remonte, ça remonte. Je vous avais acheté des crèmes chez Victoria's Secret. Donc il y a deux crèmes. Donc la première c'est la Passion Struck, et la deuxième Coconut Passion. Donc vous ne pouvez pas voir parce que ça brille, mais elle est, le packaging est juste parfait. Et puis le truc c'est que ça sent trop bon. Et celle-là, elle est au top. Une paire de lunettes. Hi. Donc voilà, ce sont ces lunettes. Je n'ai pas enlevé l'étiquette. Elles sont trop jolies. J'aime trop ces lunettes. Et puis pour l'été, comme il y a encore du soleil, c'est parfait. Donc voilà, ces lunettes-là. Nous avons également ces lunettes. Attendez-vous à craquer. Elles sont trop belles, en plus elles vont trop bien avec le rouge à lèvres. J'aime trop, donc voilà, des lunettes toutes simples, hein, orangées. Oh, trop chou. C'est le modèle Brad, donc voilà, elles sont trop jolies. Donc deux paires de lunettes, deux crèmes. Ensuite, qu'avons-nous? Des tatouages, trop beaux. Ceux-là, je les avais mis en story une fois, donc c'était celui-ci. Et un petit truc comme ça, je ne me souviens plus trop, mais je crois que c'était ça. Et l'autre, donc un petit peu plus dans les motifs indiens, tout ça, elle est superbe aussi. Et puis il y a des petits mots, donc des petits tatouages mots qu'on peut se coller là par exemple. Ça fait trop joli, j'aime trop. Ensuite, make-up, parce que bon, là quand même un petit peu de make-up. Nous avons ce rouge à lèvres, enfin lip gloss en fait, c'est exactement celui-ci. Donc c'est le Sephora Teinte 03. C'est le rouge velouté sans transfert cream lip stain. Il est entre le rosé et le rouge, donc il est un petit peu framboise. Et il est juste parfait pour l'été, c'est magnifique. Donc ne vous fiez pas à cette couleur, il est framboise. Toujours dans le make-up, donc c'est un produit pour les sourcils de chez The Balm. Eyebrow Powder, donc la poudre pour les sourcils tout simplement. Ce packaging est juste trop chou. Donc voilà, une petite poudre très simple. Comme ceci. Ensuite nous avons une palette, donc c'est de la marque Sleek, la palette Contouring Blush Palette. Donc en fait c'est un petit peu comme la mienne je vous la montre, c'est celle-là. Donc avec un truc pour le contouring,
un fard highlighter un petit peu et un autre pour le blush. Donc ce n'est pas exactement celle-ci puisque dans la vôtre il y a un blush rosé. Bon, ça change pas trop, mais en gros c'est la même parce que en fait moi je me sers que de cette teinte là. Et donc voilà, en fait c'est la même et elle est juste trop belle. Le packaging est magnifique, noir mat c'est juste le top. Et la star, elle arrive, elle est là juste pour vous. Je suis allée chez Sephora et la fille, je lui ai fait oui, donc en fait je cherche des cadeaux parce que j'ai un concours à faire pour mes abonnés. Elle me fait ah oui, vous avez des abonnés? Je lui ai dit oui, en fait j'ai une chaîne YouTube et tout et c'est pour mes 30 000 abonnés et tout, j'aimerais leur faire un cadeau. Elle me fait ah, je vous montrerai ça et tout, venez vous. C'est la Natural Eyes de chez Too Faced, donc la petite palette canon que j'aurais rêvé avoir mais que je vous offre à vous. Donc voici les couleurs, elles sont géniales. Donc vous devez déjà la connaître. Donc les conditions de participation à ce concours sont très simples, il vous suffit juste d'être abonné à mon Instagram, mon Twitter et ma chaîne YouTube évidemment. Je vais poster une photo sur Instagram, donc la photo de tous les produits, et vous devrez identifier une de vos amies et me dire ce qui vous ferait plaisir, donc quel produit vous ferait plaisir, 1, 2, 3, enfin n'importe quel produit qui vous ferait plaisir. Donc voilà, je tirerai au sort 3 filles, donc n'hésitez pas à partager ça avec vos copines et voilà, à faire tourner le truc quoi. J'ai trop hâte, c'est la première fois que je fais ça, je suis trop contente. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne. Merci d'ailleurs pour les 31 000 abonnés, c'est juste ouf. Donc voilà, j'espère que ce concours vous fait plaisir. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Mouh.